stade de l'Aube pour cette 18e journée de Ligue 2. Bonne année à tous, évidemment, chers téléspectateurs. Bonne année 2021, comme il est écrit dans les tribunes, sur les sièges du stade de l'Aube cette année 2021-3. L'aveu pleine de réussite avec notamment, dans ses voeux, évidemment, une montée en Ligue 1. Ballon pour Lenny Pintor. La frappe de Lenny Pintor! Les entrants pour faire la différence. Que c'était pas un mauvais résultat à l'extérieur. Si tu gagnes à domicile, tu fais match nul à l'extérieur, c'est très bien aussi. Mais j'étais vraiment frustré parce que je pense qu'on aurait pu gagner ce match 3-0. Et après, moi, Sochaux, c'est un match particulier. J'ai fait 4 ans là-bas. Et je me rappelle toute la semaine avec le gardien de Sochaux, Maxence Prévost. C'est un de mes meilleurs amis dans le foot, c'est comme mon petit frère, je veux dire. Et je me rappelle, je lui dis si j'ai un penalty, je te fais une panenka. Il me dit non, fais pas ça. Et je dis non, je pourrais pas te faire ça et tout ça. Après, on s'est appelé avec Maxence et tout. Je l'ai plus chambré moi que lui, mais c'était de bonne guerre et j'étais content de marquer un doublé contre mon ancienne équipe. Je crie, tout le monde est content, tout le monde crie, c'est parce que c'est difficile. C'est super difficile et c'est moi qui ai la chance de marquer. Ça aurait pu être Ravé, ça aurait pu être un autre et ça aurait été pareil. C'est, ouais, voilà, ça, c'est le groupe, encore une fois. Santé, santé les gars, santé. Monsieur les gars, et merci. Et merci, hein. J'ai juste quelque chose à vous dire, celle-là va compter. Elle est importante, je vous le dis. Et félicitations à tout le monde. Merci, les gars. Et merci. Là, j'ai fait le plus mal, hein. Vamos. C'est un groupe qui a envie de travailler ensemble, qui a envie de performer ensemble. Et depuis le stage qu'on a passé au Chambon-sur-Lignon, je crois qu'on a aussi évolué. Et puis il y a la progression de chacun avec le travail qu'ils mettent en place tout au long de la semaine et notamment sur les matchs. On est devant, on va essayer de rester à notre place. Après, c'est des confrontations directes. On sait que ça va être des matchs compliqués parce que c'est de très belles équipes avec des qualités différentes à chaque match, mais aussi nous on a notre façon de voir les choses et on respecte tout le monde avec beaucoup d'humilité, on va essayer de gagner ces matchs. Bah ça c'est le plus, en fait c'est l'excitation supplémentaire d'avoir le public avec nous. Malheureusement, on n'a pas pu les avoir au stade, mais le fait qu'ils soient présents avant le match, ben voilà, c'est une source de motivation supplémentaire. Ça a été un moment super important parce que c'était un tournant, hein. Malgré tout dans la saison. C'était une bonne équipe, c'est une super équipe contre qui il fallait faire un résultat, c'était à domicile. Et ouais, ça s'est super, super bien passé. En plus, pour la petite anecdote, j'ai un très bon pote là-bas, Mika Lebihan, avec qui on s'est un peu chambré avant le match. Et au final, j'ai marqué et lui non, alors que c'est son métier. Donc ouais, non, c'était un match particulier, un match important et forcément un match qui a compté pour la montée, forcément. Avec Yo, ce qui se passe, c'est qu'on bosse les coups de pied arrêtés. Et ouais, début, c'est... Et ça arrivait plusieurs fois cette saison où je me suis retrouvé comme ça. Et puis souvent la balle, enfin parfois la balle n'arrive pas, mais quand elle arrive, je suis bien placé, je suis en position. Et puis là, ça a fait mouche, donc ouais, c'est top. J'avais pas marqué depuis qu'il est né. Du coup, voilà, j'ai fait à ce moment-là et ça tombe bien, c'est dans un derby, donc encore plus beau. Je tenais à vous féliciter malgré tout
mais il faudra faire beaucoup, 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 beaucoup mieux. Si on se contente de ça jusqu'à la fin, ça va être très compliqué, les gars. On peut pas se contenter de ça. On peut pas. C'est impossible.